RMC, l'immanquable grande gueule. Proche de la famille d'Ilan Halimi. Vous avez été l'avocat de la famille. Dont j'ai été l'avocat. Je souhaite que M. Caron demande à M. Ruquier de publier ce passage. Comme ça, il n'y aura aucun équivoque. Vous me permettrez de croire davantage Alexandre Arcadi que M. Caron. Et je dis que si M. Caron a tenu les propos, à savoir, alors qu'on parlait du meurtre d'Ilan Halimi qui a été tué parce qu'il était juif, mais il y a aussi des enfants palestiniens qui sont tués par les Israéliens, ces propos sont abjects, ces propos sont ignobles, et je souhaite, si c'est vrai, déjà que M. Pflimlin, qui est PDG d'une chaîne qui reçoit l'argent des contribuables, prenne ses responsabilités, exige de voir la bande et en tire toutes les conséquences. Mais ça n'est pas quelque chose d'anodin, ça n'est pas quelque chose d'acceptable. Et donc, puisqu'on parlait beaucoup de transparence, moi je lance un appel à M. Pflimlin qu'il fasse preuve de courage. Je rappelle d'ailleurs qu'il avait refusé de financer la réalisation de ce film. Eh bien que M. Pflimlin prenne ses responsabilités et que M. Caron soit un peu courageux une fois dans sa vie, qu'il soit courageux et qu'il demande que soit intégralement visionné ce qui a été dit. RMC, l'immanquable grande gueule.